de l'Alma à Karoui qui a mal transmis le ballon. Attention, c'est bien pour nous. Ouzmati, la passe sur Saher qui tire. Ballon sauvé dans les 6 mètres par la défense de cette équipe du monde de l'Alma. Une très belle occasion pour. Oui, je pense que ça vient de Razi qui donne une belle passe à Fenty qui ouvre sur le choix pour un centre, mais on trouve qu'un seul attaquant, c'est pas suffisant à la réception. Hein. Et bon retour en tout cas de cette défense de l'Alma qui a sauvé le danger. C'était une occasion de but, la meilleure dans cette première mi-temps, on va dire, pour cette équipe de l'USMA. Et Sahraoui qui est obligé de dégager du pied. Tête de Rouamri. Elle a pris, attention, oui, bien vu de la part de l'arbitre. Pied le levé un peu trop haut et coup franc. C'est pas tellement grave, mais c'est le geste qui est condamné. Qui est condamnable, c'est le geste. Pour oui, faire geste. C'est pas réglementaire. Ouais. Cheklem, attention, Cheklem, Achou qui assure la main sur la droite. Et le centre de Melayada qui était trop fort. Ouais. Trop fort ce centre de Melayada. Des fois il faut bien se concentrer, essayer de ne pas perdre cette balle parce qu'elle pouvait être une balle dangereuse. Bien la comprendre, se concentrer, faire son centre sérieusement pour, à la réception des 18 mètres. Et on approche de la mi-temps. On est à 4-5 minutes maximum de la fin de cette première mi-temps et toujours ce score 2-0-0 entre l'USMA et le Mouloudia de l'Alma. Voilà. Donc balle devant pour Cheikh Hamidi. Intervention de Messali. Énergique. Karaoui. Ça repart pour l'USMA. Non. Balle en touche. Et la touche sera Ami pour Karaoui. Karaoui, Amir. Ballon récupéré devant par Kadri. Kadri qui joue avec Hammami. Au milieu, il y a Camara. Camara, attention, il va remettre sa frappe. Camara, il essaie, non. Et il va avoir du mal. Il perd ce ballon, Camara. Saïa qui essaie de trouver Cheikh Hamidi qui regardait de l'autre côté et qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. Hammami, Abdelhamoukhalan qui talonne là-bas derrière et il y avait hors-jeu. La passe de Abdelhaoui n'était pas bonne, il avait vu son coéquipier en position de hors-jeu. Il aurait fallu qu'il temporise, soit qu'il ne lui donne pas le ballon. Oui, non, il y a de belles combinaisons des deux côtés. Hein. On essaye un peu plus du SMA, mais l'Alma essaye de pratiquer un bon football. Le Mouloudia de l'Alma, attention, c'est bien joué. Là, pour Hammami. Hammami qui va centrer. Il centre et c'est bien sauvé. Hein. Ah oui. Ah, c'est bien sauvé de la part de Melayada qui est revenu là-bas de son côté droit pour récupérer ce ballon devant la tête de l'attaquant du Mouloudia de l'Alma. Melayada. Ouznadji, ballon perdu. Et chez Club, pour Ouznadji encore. Ouznadji avec Melayada encore. Ouznadji, il a le ballon pour Razi. Razi Melayada, et il perd ce ballon. Ah, ils ont du mal à trouver la formule. Pour le moment. La formule magique, comme on dit. Hein. Pour le moment, non, parce qu'il y a une équipe en face qui se bat, qui essaie de préserver ses buts. Encore une fois, la défense du Mouloudia de l'Alma qui dégage loin devant, et la touche pour l'USMA.
La touche est jouée pour Zaire. Zaire qui essaie de trouver Cheikh Hamidi, qui se transforme en remiseur. Camara. Le Mouloudia de l'Alba qui essaie de ressortir de son camp, mais qui n'arrive pas. Ballon pour Ousmane encore une fois. Zaire. Pour Foilet. Foilet. Chetlem. Prenons sur Ben Ayeda. Achou qui contourne le défenseur du Mouloudia de l'Alba. Il cherche de l'appui. Achou. Il cherche surtout des brèches dans cette défense du Mouloudia de l'Alba. Et Camara qui remonte très vite. Attention, ce joueur. Ah, il donne de bonnes balles à ses coéquipiers. Kadri là-bas. Et il essaie de trouver Belhadj Djellali qui s'est fait mal. Qui s'est fait mal sur ce contact avec Ben Ayada. Il s'est fait mal à la cheville, je ne sais pas. Regardez. Ouais, il voulait dégager le ballon. Là, il touche involontairement le joueur de l'Eslama. J'espère que ce ne sera pas grave, qu'il va se relever et continuer. 46e minute. Ben Ayada qui était venu à toute vitesse, mais ouais, qui n'avait pas l'intention de, faire du mal, bien sûr. Il n'est pas volontaire. Il est sur le ballon. Et il se relève. Ben Djellali, heureusement, il trotte sur le terrain. Regardez, c'est. Il va prendre sa place. Fin de la première mi-temps sifflé par M. Mohamed Bouhanni, l'arbitre de ce match. USM Alger, Mouloudia de l'Alma qui s'est achevé sur un score de 0-0. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce 0-0?